Et voilà, nous revoilà pour la deuxième mi-temps. On attend de voir s'il y a des changements. Rien, pas de changement pour le Estaon. Vous voyez, l'ambiance est bonne. On sent les saucisses et le sandwich. Les bières coulent à flot. C'est une bonne chose, l'ambiance est excellente. On rappelle que ce match est organisé pour les 100 ans du club de l'Estaon. Et là, 100 ans, vous voyez, Taon a eu 100 ans. Comme vous le savez, créé en 1920. Voilà, on est un peu moins vieux que Nancy. Nancy qui a été créé en 1910. Donc 100 ans pour Taon et c'est une jolie rencontre. La fête du foot aujourd'hui pour le club. Le président Clazagonde bien sûr est présent et la joie de voir son équipe, la joie de voir son équipe menée est une bonne chose. Momo Camara qui est entré en sautillant avec le pied gauche pour porter bonheur comme vous le savez. C'est une habitude chez les footeux. La religion est présente, les croyances sont présentes pour essayer d'avoir des encouragements, de se sentir bien. Voilà, on voit bien évidemment, vous voyez tous les spectateurs présents. Voilà, on attend une deuxième mi-temps du même acabit. Bien évidemment, un petit peu haché par des fautes, un peu plus de l'Estaon. On l'a vu, après, on a été efficace et on a su trouver les filets grâce à un pénalty. La SNL n'a pas su trouver leur attaquant dans de bonnes conditions et n'ont pas pu utiliser leur qualité pour marquer un but au gardien Raphaël Rodriguez. Et bien évidemment, le capitaine Raphaël Rodriguez et Tom Condy veillent au grain, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, il y a des bonnes choses qui vont se faire de nouveau. On va attendre et voilà. Taon vient de redémarrer par Momo Camara qui a redonné à Sébastien Lecanet. On voit tout de suite de l'intensité dans le jeu, des bonnes passes. C'est très bien. Et on trouve rapidement Momo Camara, dans la surface de réparation, mais le gardien est présent. Alors, je n'ai pas eu les informations. Je les aurai peut-être tout à l'heure pour les remplacements réalisés par Nancy. Mais je vais essayer de vous communiquer ça avec le plus de précision possible. Alors oui, il y en a. Alors donc numéro 18 correspond à Karamoko Suleiman, donc qui joue arrière droit. Karamoko. Voilà les joueurs de Nancy qui essayent de se projeter et qui là donne une bonne opportunité. Mais heureusement, les défenseurs de Taon sont présents et c'est à 6 mètres pour Taon. Donc Karamoko avec le numéro 18 qui joue donc arrière droit. Alors on retrouve le numéro 24 dans la défense centrale de Nancy et qui s'appelle Edmond Akichi. Alors on retrouve toujours le numéro 4 qui est présent. Voilà, et qui essaye de trouver le nouveau donc Suleiman Karamoko. Voilà, des relances courtes. Voilà, on essaye de trouver un peu plus rapidement, on sent dans les deux équipes. Les coéquipiers de jouer en une, deux touches. Voilà, plutôt assez actif pour l'instant au début. Voilà, on sent, comme je vous le disais, la deuxième centre. Deuxième centre, un beau centre trouvé, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. Et heureusement encore présence des défenseurs de Taon. Deuxième 6 mètres sifflé en d'une durée courte.
de moins de 2 minutes. Alors, on continue. On retrouve le numéro 8. Varenne Bondy au milieu de terrain. Nous avons le numéro 6. Le numéro 6 pour Nancy, en la personne de Lefebvre, Grégoire. Alors, je vais me lever parce que je vous avoue que je n'ai pas toute la situation. Voilà, corner pour la SNL. Voilà, il va essayer de jouer à deux très rapidement. Taon s'est fait surprendre sur le côté par le fameux Suleiman Karamoko. Et c'est de nouveau à 6 mètres. Mais là, on sent que les joueurs de Nancy rentrent rapidement dans la deuxième mi-temps et veulent vite revenir au score pour se donner confiance, bien évidemment, éviter que Taon prenne la confiance également. Voilà, Nancy essaye d'empêcher une relance courte, donc va peut-être obliger. Et voilà, mauvaise relance du gardien. Une frappe manquée par le fameux Warren Bondy. Voilà. Et faute non sifflée sur Karim Korich. Voilà, les joueurs de Taon essayent de s'organiser proprement pour empêcher les attaques de Nancy. Alex Leroy, voilà, qui est présent, qui montre qu'il est là face au nouvel arrière droit, donc Suleiman Karamoko de la SNL. Alors, ils vont essayer de trouver en attaque le numéro 7, Michael Biron, mais malheureusement n'a pas réussi. Voilà, on sent que vraiment il y a plus d'intention de la part de la SNL, qui était dans un certain faux rythme là, mais qui varie de gauche à droite, passe longue. Mais on va pouvoir compter sur les joueurs de Taon, vous inquiétez pas, pour sauver la cage de Raphaël Rodriguez. Voilà, et le capitaine, bien sûr, avec l'expérience, est présent. Il montre de la tête. Voilà. Oui. Voilà, ballon récupéré suite à une faute. Voilà, le jeu de tête de Wilfried Rotter, c'est une valeur sûre. Voilà, d'une discussion avec lui, il se demandait comment Arsène Wenger allait pouvoir promouvoir le jeu sans la tête pour les gamins. C'est quand même la base du football également, de pouvoir jouer avec toutes les parties du corps pratiquement, sauf la main, comme vous le savez. Et voilà, c'est Taon qui fourmille l'offensive. Karim Korich est présent, est actif, est bousculé, mais l'arbitre ne siffle pas faute. Et c'est une contre-attaque par Nancy, qui est sur le côté gauche. C'est de nouveau un centre, mais contré par Tom Condy, qui arrive donc sur un corner. Voilà, on sent également l'entraîneur de Nancy qui se lève pour encourager, donner les consignes. Alors qu'on sent la sérénité du côté de Romain Schuller, assis tranquillement. L'équipe de Taon est complètement dans sa surface de réparation pour essayer de protéger le but et éviter que ce corner soit efficace. Et justement, c'est un attaquant, la personne de Momo Camara qui récupère le ballon et qui peut relancer. Malheureusement, oh ! Et là, dans les airs, Raphaël Rodriguez n'a pas pu récupérer le ballon, et par chance ce centre est arrivé à côté du but, non repris par les attaquants de Nancy. Voilà, ce qui peut donner un petit peu d'air pour Taon. On sent qu'on est un peu étouffé,
va donner de l'air avec un 6 mètres joué long pour essayer de récupérer le copain Johan Dufour qui va s'emparer du ballon pour permettre de faire la touche qui finalement sera réalisée par Alex Leroy avec le numéro 7 qui transmet à Karim Perich. Perte de balle. Et là on s'aperçoit que tout de suite, oui, Victor Didier-Jean était présent, ils se gênent les deux, Johan Dufour avec Victor Didier-Jean, mais il est présent Victor Didier-Jean, et malheureusement, voilà, touche pour Nancy, on s'aperçoit sur le côté, je ne sais pas si les caméras sont présentes, mais on voit que trois joueurs sont à l'échauffement, et donc prêt à rentrer, donc Anthony Collin, bien sûr, le fils du club, comme vous le savez. Un joueur du club depuis des lustres, fait partie, Jess Evrard et Abdou Sanogo, coaché par Michael Ruiz, pour permettre l'échauffement correct. Voilà, pourtant Wilfried Rotter était parti pour remonter la balle et permettre à toute l'équipe de prendre place dans le terrain adverse. Et malheureusement, une faute commise par le numéro 19 de Nancy. Donc récupération de balle par Taon, réalisée par Raphaël Rodriguez, qui va chercher certainement un peu plus long sur le côté gauche, puisque Johan Dufour... lève le bras avec Momo Camara aussi présent. À la récup. Voilà, on récupère par de nouveau. Bon, mauvaise compréhension entre les deux joueurs, Johan Dufour et Alex Leroy. Bon, chacun veut bien faire malheureusement. Et faute sifflée par l'arbitre contre Karim Korich, un peu bizarrement, en toute honnêteté. On s'attendait plutôt à ce que ça soit sifflé contre Taon. Petite discussion entre Johan Dufour et Alex Leroy, bien évidemment, pour essayer de trouver les dernières précisions entre les deux joueurs. Ça va aller, voilà, on s'encourage, ça va aller. On rappelle que 10 minutes de temps de jeu en deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour l'OS Taon. On peut se satisfaire de ça, mais... voilà, on va vouloir être meilleur encore dans le jeu, dans l'utilisation du ballon. Avoir un peu moins de frayeur pour nous également. Bien évidemment, on s'attend à une domination de la SNL, une possession de balle. Ce qui est tout à fait logique hein, pour des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les jours. Alors que, bien évidemment, les joueurs de Taon ne s'entraînent que trois fois par semaine. Trois fois par semaine, ce qui est déjà bien, mais évidemment, il y a une différence avec la SNL. Et pour autant, c'est les joueurs de Taon qui mènent 1-0. On rappelle, par un pénalty de Momo Camara. Voilà, échange de ballon, Tom Condi, Wilfried Grotter, Momo Camara. Et là, passe en profondeur, malheureusement pour Rémi Ulrich, mais qui va finir. Rémi Ulrich qui continue le pressing. Un petit peu pas assez suivi par ses coéquipiers, dommage. Il y avait moyen de pouvoir mettre en difficulté, de récupérer haut ce ballon. Et c'est une contre-attaque qui est opérée par la SNL sur le côté gauche, qui essaye de contourner l'équipe et qui est malheureusement, et heureusement pour nous, récupérée par Sébastien Lecoanet. Et là, c'est Victor Didier-Jean qui essaye de dribbler dans la surface de réparation. Et de nouveau récupération de Nancy, mais récupération de nouveau. Et ça peut être parti par Johan Dufour sur le côté gauche pour l'OS Taon qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation qui est face au défenseur de Nancy sur le côté gauche, essaye de dribbler, essaye de permettre de faire le centre et malheureusement personne n'a suivi sur le deuxième côté. Dommage, c'était une offensive intéressante mais un peu trop seule et c'est une touche pour Nancy. Nancy qui récupère le ballon. Allez, on encourage Taon, on est dans le camp de Nancy, c'est le moment. On voit Romain Schuller qui donne des consignes au futur remplaçant, Abdou Sanogo. On attend les remplacements d'ici quelques minutes.
pour donner un petit peu d'air, faire souffler, profiter que tout le monde, que le groupe profite de la fête et d'avoir quelques minutes de temps de jeu. Comme vous le savez, c'est un vrai plaisir, un vrai cadeau du ciel dans cette année avec la pandémie qui nous a vraiment mis beaucoup de difficultés dans notre passion, le sport favori qui est le football, bien sûr pour tous les sports. Allez, c'est reparti pour ce match. 13 minutes et récupération de temps de jeu. Et voilà, donc Jess Evrard va remplacer Rémi Ulrich. On aura Abdou Sanogo, évidemment, qui rentrera aussi. Et Anthony Cossin. Et voilà, et c'est le premier deuxième but. Un deuxième but par Johan Dufour. Oh là 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 là. Deuxième but, voilà, qui applaudit. Oh là 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 là. Quelle joie de voir ce deuxième but. Très belle prestation. Quand on disait tout à l'heure, il discutait Johan Dufour avec Alex Leroy. Et les deux se sont trouvés. Voilà, c'est une belle opportunité de saisie. 2-0, 14 minutes de temps de jeu. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oh que ça fait mal, oh que ça doit faire mal pour les joueurs de Nancy. Qui essayait. Voilà, les remplacements, voilà, sont réalisés. Anthony Collin qui rentre avec le numéro 15 à la place de Diego Alves. Jess Evrard avec le numéro 12. On nous applaudit, qui rentre, bien évidemment. Alors, nous avons Tom Condy qui sort. Alors, une grosse revue d'effectifs. Voilà, Tom Condy qui sort également. Abdou Sanogo et Raphaël Rodriguez qui sort également. Remplacé par le numéro 16. En remplacement. Donc en remplacement. Par Loris Petitpain. Voilà, c'est reparti. 2-0 des changements. Il va falloir de nouveau reprendre ses esprits, bien évidemment. On sait l'importance d'un but dans le contexte psychologique. Voilà, mais on peut compter sur l'expérience de Wilfried Rotter. On le sait, il est là, il est présent, il montre. Voilà, il est à la récupération. Karim Corich est de nouveau encore présent. Alex Leroy également. Allez, oui, ça échange bien au milieu de terrain. Ça se trouve rapidement. Et on est là pour récupérer aussi. Voilà, il y a de l'expérience là, oui. Il y a de l'expérience dans le Karim Corich aussi, évidemment. Voilà, donc Jess Evrard en défense centrale avec Wilfried Rotter. C'est lui qui va pouvoir relancer. Alors, relance un peu trop longue et qui va directement s'y mettre. Voilà, reprenons un peu tous nos esprits après ce deuxième but, ce très beau deuxième but par Johan Dufour. Belle frappe qui a surpris évidemment le gardien. De nouveau des changements au sein de la SNL. On va vous donner avec le numéro 20 qui rentre. Le numéro 20, Maxime Nonnenmacher. Le numéro 14 qui rentre, Ousmane Stéphanus. Le numéro 23, la personne de Fares Meheni. Alors bien sûr, un peu pour la plaisanterie, ils sont un peu sifflés par les spectateurs, mais c'est le jeu. Voilà, mais on apprécie, on sera pour Nancy bien sûr. Dans les matchs en Ligue 2, mais là, aujourd'hui, on est pour Taon. C'est le centre du club, 2-0 pour Taon. C'est le moment, allez. Allez, c'est parti. Oui, Abdou Sanogo qui est présent. Voilà, Jess Evrard aussi, voilà, on sent. Voilà, voilà. Attention, la surface de réparation. Oh ! Je vous l'ai dit. Souvent, un but est marqué. Juste après avoir marqué un but, l'équipe adverse, bien sûr, un peu dans l'euphorie. Mais c'est pas
complètement remis, ils ont organisé plus les changements. 2-1 pour l'équipe de Taon. Attention. Allez, c'est parti de nouveau. Allez, là, on essaye, on sent que Nancy s'est dit, c'est tout à fait faisable. Ils essayent de relancer. Et oulala, que c'est chaud, que c'est chaud. La pression est faite sur les buts. Allez, on y va, on continue. On reprend ses esprits. Allez, le gardien de Taon qui vient de faire sa rentrée. Malheureusement, pour la confiance, c'est un peu difficile de prendre un but au bout de quelques petites minutes. Mais on va pouvoir compter sur ses qualités et ses capacités. On en est sûr. Allez, voilà. Allez, c'est parti. On continue. 19 minutes de temps de jeu. Alex Leroy va faire la touche. Karim Corrige toujours actif, toujours présent. Allez, pour Momo Kamara. Et il est présent. Voilà, il monte, il est là physiquement, il est là techniquement. Momo, c'est ça, on peut compter sur lui. Et là, il demande un peu de renfort pour le pressing. Il se demande est-ce qu'on y va ou pas. Finalement, pas de pressing. Allez, on laisse l'équipe de Nancy essayer de jouer long, qui ne trouve personne. Tant mieux, ça permet un petit peu de souffler l'équipe et de s'organiser de Taon. Allez, on s'organise. Jesse Vaughan va sur le côté pour donner une solution au gardien en relance courte. Certainement, c'est ce qui devrait arriver, mais finalement, voilà, relance longue sera faite. Allez, là, on essaye de trouver Alex Leroy ou Abdou Sanogo. Allez, on continue. Voilà, Alex à la touche. Voilà, les joueurs de Nancy qui essayent de parler, de faire les arbitres. Mais l'arbitre a bien vu que c'était de la tête, que Abdou Sanogo avait touché la tête, a touché le ballon, pardon. Donc rien à signaler, hormis une touche pour Taon. De nouveau faite par Alex Leroy, qui en aura fait quelques-unes pour ce match. Bonne prestation d'Alex Leroy à signaler. De nouveau encore une touche. Allez, ça. On est dans le camp de Nancy. On est proche de la surface de réparation. On essaye de se procurer des occasions. Allez, oui, Abdou Sanogo qui travaille, qui essaye de rentrer dans la surface. Oui, il est dans la surface de réparation. Ah, dommage, il n'a pas pu se retourner, donner un peu d'air et faire l'impasse. Voilà, beau travail défensif d'Alex Leroy qui applaudit bien sûr par les spectateurs. Excellent. Voilà, Romain Schuller s'est levé. Voilà, pour guider, montrer le chemin en bon coach qu'il est, comme vous le savez. Et voilà, permettre... Oh, la faute non sifflée par l'arbitre. Faute normalement si, de Karim Corrige. Allez, beau travail à deux avec Karim Corrige et puis Abdou Sanogo. Mais récupération de Nancy. Nancy qui a le ballon au milieu de terrain, qui essaye de se projeter sur le côté gauche. Non, mais récupération d'Anthony Colin, pardon. Anthony Colin qui a pris le poste de Diego sur le côté. Voilà. On entend les spectateurs. Voilà, toute l'équipe de Taon se retrouve dans la surface de réparation, prêt à intervenir. Le gardien sur sa ligne, qui applaudit, qui encourage, un mur est fait. Et présence de Wilfried Rotter, je vous l'ai dit, il est présent, le capitaine sur la tête. Et de nouveau aussi Abdou, bon travail défensif de l'attaquant, du jeune attaquant de l'Est Taon, qui est en personne d'Abdou Sanogo. Voilà, 22 minutes, les trois quarts du match sont passés. Toujours 2-1.
Le ballon dans la surface de réparation. Voilà, beau travail de Koch. Surnom donné Anthony, bien sûr. Il est présent, il est là, récupération pour nous, pour Taron. Suite à une faute sifflée par l'arbitre. Allez, un petit peu d'air. Ah non, 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 excusez-moi. C'est une touche. J'ai cru qu'il y avait une faute sifflée. Allez, voilà, Jess Evrard qui est présent. Oui, il est présent. Faute sifflée. Voilà, Sébastien Le Cornet vient de réaliser une faute sur le numéro 6. Le numéro 6, me semble-t-il, de Nancy. La personne de... Le numéro 6, Grégoire Lefebvre, rentré en jeu il y a quelques minutes. Alors, 30 mètres, un mur est fait par Loris. Alors, coup franc sera tiré par le numéro 13, me semble-t-il. Et non, une... Arrêté par le mur. Arrêté par le mur. Et là, attention. Oui, qui l'a pris dans le ventre. Et là, un peu douloureux forcément pour lui. Et là, appel est fait à Steve Rossi, le kiné de l'Ouest Aron. Voilà, il l'a pris. Vraiment, ça doit faire mal, bien sûr. Cette frappe a été forte, a été puissante à 30 mètres. Voilà, on en profite du côté de Nancy pour donner quelques consignes, de se réhydrater aussi. Les spectateurs donnent un petit peu de la voix pour encourager. Vous devez certainement les entendre, c'est important. Voilà, ça permet d'encourager. Et Momo, voilà, qui est là, il est présent. On l'encourage tous ensemble et même de chez vous. Applaudissez-le, allez-y, c'est le moment. Voilà, plus de peur que de mal, il va vite revenir. Il est là. Allez, c'est reparti. Allez, les joueurs de Nancy essayent de passer de gauche à droite, de nouveau essayer de percer la muraille taonaise. Mais là, Alex Leroy est de nouveau présent avec Sébastien Le Cornet. De nouveau une récupération de Nancy sur le côté droit. Alors on sent que c'est un gaucher qui joue sur le côté droit mais qui trouve quand même son bon pied pour faire un centre. Un centre rentrant, mais là, voilà, passe. Une contre-attaque a été essayée par Momo Camara avec Abdou Sanogo. Et là, on voit avec beaucoup d'expérience Alex Leroy permettre la récupération du ballon. Voilà. Allez, c'est reparti. Voilà, touche de nouveau sifflée. Voilà, certainement encore d'autres changements à venir pour Taon. Les titulaires se reposent et encouragent les copains, essayent de récupérer après cette bonne prestation. Voilà, c'est le premier match, on l'a dit, hein, depuis des mois. La récupération du rythme, le rythme d'un match, c'est important. Les entraînements sont présents, les séances sont présentes. Mais rien à voir avec un match. Et qui plus est, face à une équipe de professionnels de la SNL. Allez. Allez, on va encourager notre équipe favorite en blanc. On sent un peu de déception de la part du coach de Nancy. On aurait certainement voulu faire une meilleure prestation sur le fond, la fond et la forme. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes. Alors, petite erreur de ma part, juste le gardien, c'est Antonin et pas Lloris. Hein.
Antonin Parisot, avec mes excuses. Alors, Antonin Parisot, nouvellement arrivé, et qui voit la reprise de volée passer à côté de son but. Et croyez-moi, c'est avec joie qu'on voit le ballon passer à côté. On espère, quand il y a cette frappe-là, qu'elle soit à côté. Voilà, de nouveau, des changements, comme on l'a dit, avec Yann Marshall, qui va rentrer. Alors, on voit Sébastien Lecoanet sortir. Momo Camara aussi. Momo Camara qui va être applaudi, évidemment, comme Sébastien Lecoanet. Faites du bruit. Voilà, c'est le moment. Bravo à eux, bravo, belle prestation, ils tapent de la main du coach Romain Schuller, ils sont contents bien évidemment de leur prestation. C'est bien, c'est difficile de faire pour cette reprise. Voilà, et là de nouveau changement, donc c'est Lloris Petitpain qui rentre pour Sébastien Lecoanet et Yann Marshall pour Momo Camara. Voilà, c'est reparti avec tous ces changements. On voit Abdou Sanogo qui essaye d'empêcher la relance. Dans le camp nancéen, c'est ce qu'il réalise. Une touche va être réalisée par Nancy qui essaye de gratter quelques mètres là, mais c'est pas du tout le moment. L'arbitre veille au grain aussi, il est présent. Allez, Johan Dufour fait le travail aussi. Voilà, super. Voilà, on suit le ballon. Et récupération. Et un 6 mètres. Sera fait par Antonin, comme je vous l'ai dit. Antonin qui a remplacé Raphaël Rodriguez. Voilà. Allez, relance longue, puisque je vois que Jesse Evrard reprend du terrain, de la distance. Allez, pied gauche. Relance longue et haute pour Abdou Sanogo en point d'appui qui est capable de récupérer le ballon. Et c'est une bonne chose également qu'il réalise. Allez, on garde le ballon dans le camp adverse. On essaye de... Malheureusement, mauvaise passe qui permet. Mais heureusement, Wilfried Rotter récupère, qui est applaudi par toute l'équipe. Voilà, il est là, dommage. On était dans le camp nancéen, prêt à fournir. Mais attention, Jesse Evrard est seul face à trois joueurs de Nancy. Attention, pas trop de frayeur là, ici. Soyons présents. Allez, c'est parti. Milieu de terrain, allez. Là, Nancy transperce le milieu de terrain. Et encore une fois, Wilfried Rotter est présent. Et là, ça sera un corner qui sera tiré par Nancy. Alors, on va voir comment... Alors là, ce coup-ci, à deux. Corner à deux, il change. Et de nouveau, une tête dans le mauvais sens pour Nancy. Voilà, on sent quand même une certaine frayeur, là, je vous avoue, pour Antonin. Allez, un peu d'air, 32 minutes. Allez, encore un quart d'heure de temps de jeu dans cette rencontre très rafraîchissante, qui nous permet de se retrouver sur un beau terrain. On les sent du club, comme on l'a dit. Et là, c'est Jesse Evrard qui coupe l'offensive de Nancy. Allez, là, on voit. Attention, dans la surface de réparation. Mais 6 mètres sifflés par l'arbitre.
Allez. Allez, de nouveau, on va voir le pied gauche d'Antonin. Voilà, relance longue. Voilà, touche pour Taron, qui va être réalisé. Allez, on voit l'équipe de Taron dans la surface de réparation. Est-ce qu'on va pouvoir être capable de pouvoir transmettre un beau centre? Non, malheureusement, Alex Leroy qui fait l'effort. Il est présent avec Johan Dufour. Et récupération de Taron qui a su se montrer présent. Allez, Ayrton qui est présent. Oui, de nouveau. Allez, on rejoue derrière pour essayer de se donner un peu d'air. De pouvoir organiser le jeu. Allez, sur le côté gauche, comme vous l'avez dit, vous avez vu, ils sont bien trouvés, Alex et Johan. Allez, travail défensif réalisé. Voilà, par Karim, toujours bien présent, faute. Mais ça coupe quand même sérieusement l'offensive de Nancy. Ah, faute là ce coup-ci sifflée par l'arbitre. Ça permet à toute l'équipe de Taron de regagner du terrain. On va se retrouver dans la possibilité de se donner une occasion, on l'espère. Allez, on échange entre les défenseurs et Karim qui organise le jeu. Allez, de nouveau Karim, il est présent, il échange. On retrouve Wilfried qui relance sur le côté droit avec Anthony qui trouve en profondeur Abdou Sanogo qui est seul de la surface. Que va-t-il faire? Il récupère. Et dommage, il se joue des deux défenseurs et frappe au-dessus du but. C'était certainement une occasion, une très belle occasion d'Abdou Sanogo. Avec une belle passe en profondeur. Voilà. Ça donne de belles perspectives pour l'équipe de Taron pour la prochaine saison, comme vous le savez. Le président Clazagonde va pouvoir compter sur un groupe sérieux, qui s'entend bien, qui fait de bonnes prestations, qui joue bien, emmené par un Romain Schuller qui sait ce que c'est que créer un groupe, une osmose. Voilà, Alex Leroy qui dégage comme il peut, bien évidemment, un petit peu pris. Alors attention, Nancy qui va pouvoir frapper de nouveau but et qui égalise malheureusement. Malheureusement, égalisation de Nancy. À la 36e minute, alors après un cafouillage dans la surface de réparation. Alors, un cafouillage qui a... Bon, voilà, c'était un peu prévisible, un peu de fatigue physique, évidemment, mais c'est pas illogique comme on vous l'a dit. Voilà, changement, le capitaine Wilfried Rotter va sortir, et ainsi que Johan Dufour. Voilà, tous les deux qui ont fait une belle prestation comme toute l'équipe, mais à signaler vraiment leur prestation. Johan Dufour par un joli but qui applaudit bien évidemment. Voilà, c'est très sympathique. Applaudissements évidemment. Et voilà, on va avoir les rentrées de Liam. Nouveau venu Liam Lenoir et de Ayrton Parent. Allez, c'est reparti. Avec tous ces changements, c'est bien sûr pas évident de trouver une osmose. Un petit peu d'excitation, le deuxième but. Là, un joueur blessé pour Otaon et pour autant Nancy continue. Et voilà, sifflé hors jeu. Ouf, bien évidemment,
On va souffrir ces dernières minutes, ce qui est logique, mais on va trouver les ressources grâce aux spectateurs qui vont trouver la force et l'énergie pour encourager les joueurs de Taron. Allez, ça continue. Les spectateurs qui ont la chance de pouvoir chercher de quoi se restaurer. Allez, Abdou Sanogo qui de la tête vraiment domine tout le monde. Et le gardien qui récupère le ballon, gardien de Nancy. Alors Jess Evrard présent. Voilà, Suleiman montre une possibilité sur le côté droit. Et voilà, de nouveau, bonne récupération d'Abdou Sanogo qui fait une récupération propre, une relance propre. Voilà, de nouveau qui relance Karim Khorich, mais bien sûr un peu fatigué, on le sent forcément. Il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts, Karim Khorich, dans l'organisation du jeu. Avec sa petite taille, il sait se faufiler avec des dribbles, des crochets qui sont très déroutants. Allez, Alex Leroy qui fait une nouvelle touche, qui continue. Voilà, qui redonne à Alex Leroy. Alex Leroy qui redonne à Karim, Karim Khorich. Et là, Alex Leroy qui transmet sur le côté droit. Peut-être un petit peu plus fort. Non, ça va encore. C'est récupéré. Alors, est-ce qu'il y a une faute sur... Non, pas de faute. Sifflé, et c'est là. La récupération d'Ayrton Parent. Est-ce que c'est Alex Leroy qui a failli marquer un troisième but pour Taon? Quelle joie de voir un Alex Leroy tout en jambes, séparé de ses soucis au genou, qui donne pleine mesure, voilà, les mains sur les côtes, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts. Voilà, on peut l'encourager, le féliciter, franchement, c'est une belle prestation qu'il livre. Voilà, dommage qu'il n'a pas pu être récompensé par un but. Allez, de nouveau, une offensive de Taon qui malheureusement est sifflée suite à une touche. Voilà, 5 minutes encore dans le temps réglementaire. Une équipe ou une faute sifflée par l'arbitre, par Anthony. Allez, les soigneurs de Nancy sont appelés. Voilà, les soigneurs, peut-être même un changement. Voilà, on voit même les étirements, comme vous voyez, en plein milieu du terrain, en attendant pour Karim Khorich qui a fait de nombreux kilomètres. Il a fait beaucoup d'efforts. Et pour une reprise, pour un match comme ça, c'était costaud. Franchement, on peut déjà les saluer, les féliciter. C'était vraiment très costaud. Très costaud, bravo. Allez, c'est pas fini. Encore 5 minutes. Un petit peu moins de 5 minutes dans le temps réglementaire. Ayrton Parent qui fait les efforts. Encore Alex Leroy. Avec expérience, j'ai l'impression, oui, récupère le ballon et permet à Antonin d'avoir le 6 mètres. Allez, ce coup-ci, passe, course, relance, courte le 6 mètres. Ça permet, voilà, de nouveau toucher les ballons. Encore Karim Khorich qui trouve et qui est là. Jess Evrard qui sauve. Une mauvaise passe d'Alex Leroy. Voilà, allez, on voit qu'il y a du jus chez les remplaçants qui sont rentrés dernièrement. Allez, on essaye de trouver Antonin. Voilà, mauvaise relance. On aurait souhaité bien sûr conserver la balle pour éviter une nouvelle offensive de la SNL qui pour son premier match amical
la faute d'Alex Leroy. Premier match amical contre Taon. Voilà, Alex de nouveau qui continue son. Mais de nouveau, la fatigue est présente. On sent la fatigue hein, chez Alex qui est logique après cette prestation. Nancy, un centre de nouveau. Beaucoup plus de centres réalisés. Hein. Ils ont été un peu plus efficaces dans les centres. Une frappe de loin qui ne donne rien. Une frappe de loin qui sera ponctuée par une récupération du gardien pour un 6 mètres, du gardien de Taon, donc Antonin. On voit donc le joueur blessé qui revient sur le banc après le coup tout à l'heure donné par Koge. Voilà, on arrive à la 44e minute, il reste quelques secondes encore dans le temps réglementaire, peut-être quelques minutes dans le temps additionnel, une faute est sifflée de nouveau. Voilà, les joueurs de Taon auront bien mérité leurs vacances après tous ces efforts. Ça leur fera du bien, 3 semaines de vacances, une bonne coupure pour pouvoir entamer une reprise du nouveau championnat de National 3. Et puis les joueurs de Nancy vont continuer leur préparation avec une équipe de Nancy qui ira à Épinal vendredi prochain à 18h30, hein, qui rencontreront Épinal. Et ça sera une deuxième prestation contre une équipe vosgienne. Ils ont commencé par le deuxième club vosgien qui est Taon et ils iront continuer leur préparation avec l'équipe spinalienne. Allez, voilà. On est dans le temps additionnel. Temps additionnel. Au milieu de terrain, il y a de la récupération qui est faite par Nancy qui essaye de se faufiler par le numéro 8, Bondy Varenne. Qui était assez vif encore, même dans les dernières minutes. Bien évidemment, en phase de préparation, on ne peut pas s'attendre à avoir la qualité attendue, physique, la qualité technique. Allez, dernier coup franc certainement de cette partie avec Nancy. On espère bien évidemment que le mur fera ses effets. Allez, voilà, c'est parti. Et c'est en sortie, c'est très bien. Et je crois qu'une prestation comme celle-ci se finisse par un match nul à 2 buts partout, c'est très bien pour les deux équipes, sur le fond et la forme. Là, on a senti bien évidemment une supériorité de la SNL, mais qui ne s'est pas avéré au score. Tant mieux, voilà, avec expérience, le gardien de Taon va relancer. Et certainement une récupération de l'attaque de Taon qui peut permettre une possibilité, une nouvelle offensive. Allez, encore quelques secondes. Jess Evrard qui donne le ballon à Alex Leroy qui aura fait, je pense, une bonne quinzaine de touches, à mon avis. Il aura les bras un peu lourds ce soir. Allez, on retrouve de nouveau Koge à la récupération qui redonne à Antonin. Voilà. Abdou Sanogo qui me fait encore des efforts pour récupérer. Encore une dernière offensive de Nancy sur le côté droit qui essaye, mais là, Jess Evrard est présent. Et là, pour le passer, il faut être costaud. Oui, Jess Evrard, pareil, un enfant du club. Allez, Karim corrige, pareil, avec expérience, récupère le ballon. Allez, oui. Et une saute d'humeur du numéro 8, Varenne Bondy, qui se croit un petit peu à la maison. Mais ici, c'est Taon. Alors on se fait respecter, Jesse Vore était présent, il était là. Allez, on continue, on ne sait jamais. Dans les dernières secondes, c'est vrai que... Voilà, terminé
Deux buts partout entre Tao et l'SNL. Bravo, on peut les applaudir. Très belle prestation pour les 100 ans du club, pour fêter la reprise du football. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi sur cette chaîne. Comme vous le savez, prestation réalisée par toutes les Vosges, avec Monsieur Barlier, la famille Barlier et toute l'équipe. On les encourage, on les félicite. Merci à vous, bonne soirée, bon week-end.